Ça se voit, il a jamais pris un bain de sa vie, cet enculé, regarde. Ah, c'est la première fois que je prends un bain. Regarde ses yeux, regarde ses yeux. Ah, sa tête. Eh, trop du cul, mais avais-tu une gonzesse? T'as pas faire ça tout seul, mais putain. Mais une gonzesse, putain. Ah oui, et ça coûte cher quand même, saviez-vous? Mais... Ah, mais si je peux en profiter pour vous poser une question également. Il y a un monsieur qui m'a proposé un combat, mais moi je sais pas me battre. Et... Vous voulez qu'on se batte? Moi je sais pas me battre, donc j'ai envie d'apprendre en fait. Venez, pour on pas, teste pour ça, pas alors. Prendre une route. Vous venez au ring? Ok, c'est quoi les règles du coup? C'est de la boxe, hein, donc pas d'étranglement. Faut que je sors de là? Ah, y'a pas d'étranglement. On se pousse pas, et puis voilà. Ok, ça va. Ça, on se tape pas au sol quoi, juste voilà. De la boxe quoi. On tape pas au sol? Ouais, de la boxe quoi. Ok, ça marche, ça me va. Ok, t'appelles comment déjà? Didou. Hein? Didou. Didou, ok, moi c'est Rennes, enchanté Didou. Enchanté Rennes. Ouais, sans recul, hein, t'inquiète. Hein, ouais, c'est super, okay. Bah moi je suis là pour m'entraîner. 1, 2, 3, allez-y. Allez, vas-y. Allez, Didou, donne tout ce que t'as, Didou. Allez, aïe. Didou. Comment tu fais? Ah, le foie, le foie, le foie, le foie. Alors, voilà. Regarde-moi dans les yeux, cowboy, putain de merde. C'est quoi pour bloquer ce truc? C'est la spéciale, ça lui fera du bien, ça va passer par la fin. Putain, son chapeau, c'est le foie. La spéciale, ah, essaye pas de la placer. Putain, mon chapeau. Le petit front kick, t'as kiffé ça? J'ai fait de la thaïlandaise, gamin, quand j'étais plus jeune. C'est F? Ah, c'est R? Bien joué. Très bon combat, bien joué. T'as une sacrée patate. Ouais, toi aussi, hein, putain, des gauches, des droites. Ouais, c'est bien. Vous voulez vous battre, vous? Qui, moi? Oui. Contre qui? Contre moi. Alors là, il n'y a pas de problème. Non, c'est de la triche. Bon, ça discute là, ça combat pas. Il va y avoir des reflets sur son crâne. Ça va perturber l'ennemi. Billy. Putain, mais vas-y, bats-toi, putain. Elle est en train de marchander là, on est d'accord. Déjà que je te l'ai laissé, je pars. Ouais. Il vient de corrompre cet homme. Non, je vais le baiser. Ah, d'accord, ok. Regarde-moi bien, je vais le baiser. Ouais, mais je te regarde bien, mais faut le regarder lui pour le baiser, pas moi. Yata. Oh, mais non. Oh là là. Allez, Billy. Oh, y'a de la technique là. Attends, il le touche là ou... Ah non, Billy, t'es trop petit, putain. Attends, je vais lui ramener un escabeau. Attends, je reprends mes esprits. Bah là, on reprend tout, hein. J'irai plutôt un des prochaines, quoi. Allez, dans la bouche, hein, cochon, va. Me rentre dedans. Oh, putain. Oh, putain, mais c'est un sanglier, ce salaud, quoi. Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est un sanglier, ce salaud. Un coup de pied au sol, là. Oh, c'est ta grosse vache de femme, là, putain. Elle t'a trompé avec le boucher, putain, de Saint-Denis, là. Mais j'arrive même pas à te toucher, putain. Eh, tu veux que je te ramène à l'escabeau ou quoi? J'arrive même pas à te toucher, les grands. Eh, Billy, on va y passer la nuit, comment ça se passe? Mais attends, mais je peux pas te toucher. Oh, je suis un dur à cuire. Allez, nique-le, voilà. Nique-le, putain. Oh, comme ça, t'as baisé ma femme. Ah, putain. Bien joué, bien joué, bien joué. Mais tu fais quoi? Faites que je baisse tout le monde ici, Seigneur, s'il vous plaît. Faites que je baisse un par un. Sauf moi. Oui, bien sûr, sauf toi, ouais. Sauf moi. Oh putain, il y a un dindon, ça, c'est un signe, ça. Vous avez bien mon dindon ou pas? Oh, mais, hein, mais il est super beau, ton dindon, putain de merde. J'ai acheté 25$, super beau, ce fou de pute, là. J'aime pas les dindons, j'aime pas. Ah non, vous battez pas, restez. Mais ils sont chiants, non. Lâche-le. Mais non, mais tiens, regarde, c'est mon sac à dos maintenant, allez hop. Non, on lâche-le tout de suite. En plus, c'est bientôt la rentrée pour les gosses, allez hop. Mon dindon, 25$. C'est pas grave. Mais comment ça, c'est pas grave? Quoi, comment tu dis? Eh, ma femme, c'est une grosse vache, elle pleure pas tous les soirs, putain de merde, reprends-toi. Oh, ah, excuse-moi. De pute, va. Excuse-moi. T'es un baiser, toi. Je vais enlever mon chapeau, regarde. Ouais, fais gaffe. Ouais, j'ai une tête de chapeau, moi, peut-être. Tu veux faire un combat? Seigneur, donnez-moi la force de baiser tout le monde ici. Ah, ouais. Oh, fils de pute, non, t'es mort. Non, je vais faire ça. Ma mère, t'es mort. Attends, c'est pas avec Spray, putain. Sérieux, t'es là, là. Ils essayent de me mettre comme tu disais. Mais arrête, fils de pute, va. Vous la gardez. Seigneur, donnez-moi la force de baiser tout le monde ici, sauf Billy. Seigneur, donnez-moi la force de baiser moi aussi tout le monde. Faut que je les baise tous. Faut que je les baise. Bien. Monsieur, on va procéder pour un petit remboursement pour ma dinde. On va bien le faire. Ouais, bien sûr, ouais. Et pour la benne que tu m'as filée, hein. On procède comment? Bon, là, il y aura un petit problème. Ah ouais, c'est à lui. On fait moitié-moitié. 12,50$, c'est bon? Allez, moitié-moitié, ça marche. Allez, donne-moi 2,50$, je te donne 2,50$. Non, tu me donnes 12,50$. C'est bon. Mais je l'ai acheté 25$, tu viens de me la tuer. 25$ une dinde, mais c'est toi la dinde, putain de merde. Allez, Didou. J'arrive. Oh merde, t'as ramassé un macabre ou quoi? Allez, Didou, allez. Allez, Didou. Qu'est-ce que tu fais là, Didou? C'était pas ça qu'on devait faire, putain. Mais putain, Didou. Ils sont trop bien, les combats. Ah, des vrais bagarres de saloon. Bon allez, mais le KO là, c'est ta plus fort, c'est pas ta mère. Voilà, c'est bien, c'est bravo, bien joué. Ça va, Didou?
Attends, je te ramasse, gamin. Putain, mais quel champion. Il est où, ça va? Ah, je suis pas sûr qu'il risque de répondre. Ah merde, sérieux? J'ai tapé si fort. J'espère que tu vas t'en sortir quand même, gamin. Moi, je t'aime bien là, au fond. Hein. Oh, ça va, t'inquiète. C'est pas quoi? Ilou, Ilou, t'as l'air un peu tendu, gamin. Alors, Canez, ouais. Je crois que je l'ai tué, le gamin. Oh merde. Bon, Billy, viens, ça faut. Combat ou pas? Bon, vas-y, Billy. Tu prends ta revanche ou pas? Là, je vais me taper, là, vas-y. Prends-toi en rose. Je l'ai mis KO. Peut-être que je baisse tout le monde et sans modération, s'il vous plaît. Chabert, Anez. Ah oui, c'est qui? Lui, c'est Bruce. Ah, Bruce, c'est quoi, Bruce? Bah oui, ça va et toi? Ah, je suis en train de faire une petite prière là au calme. Hein? Quoi? Allez, Billy, putain, pense à ta femme, je t'ai dit! Pas cette niaque là! Y'a que moi, toi et Billy? Wow. Oh non, putain, fais chier, Billy, putain! Mais tu casses les couilles, putain, Billy! M'embêler! Ah, bah, Billy! Qu'est-ce qui se passe? Oh non, le. Ah, mais. C'est toi le Billy! Oh, ouais, c'est toi le Billy! Ah, c'est parti pour un tour là, putain! Allez, on va faire attention à ma famille! Bon bah, messieurs, je pense que c'est fini pour Billy ce soir, d'accord? On repassera. Ah, là, c'est trop de cool, hein! Je remballe ma carcasse, allez, bientôt! Allez, à bientôt, les gars! Sans rancune, hein! Ouais, ben là, on s'en recule. Fils de pute, ben. J'étais en train de boire, oui. Ah, merde. Ouais, mais faut que j'apprenne à me battre. Mais c'est, je t'entends droit, ta gueule, pour bloquer, c'est R. Et pour taper? F. Mais attends, mais j'ai utilisé la souris, moi. Ouais, pardon. Ah ouais, non, mais toi, ouais, t'es sur. T'es dans le multiverse, toi. Attends, mais c'est toi qui dis ça alors que t'étais en mode E, F. Attends, mais ah, c'est. Incroyable. Moi, je joue avec les deux mains, carrément. Je l'ai éclaté contre la rambarde, je lui ai pété dessus à la fin. Et les médecins ils sont où en ville là? Docteur, c'est écrit juste à côté du shérif. C'est alors, une gentille dame en plus, elle m'avait pas fait payer. Ah Billy, tu as payé 7$. Mais c'est pas grave, on l'a pété de thunes, qu'est-ce que tu me racontes putain de hein merde. On l'a pété de thunes. C'est où, ouais, c'est bon. Où, c'est là? Sors ma petite dame. Oui, vous avez besoin d'un médecin? Oui, s'il vous plaît madame, oui. Pour, dis-moi. Bah, pour le... Attendez, je vous balance la carcasse là. Ouais, la carcasse, attendez, la carcasse du même. Ouais, fils de pute, il est lourd. Allez, vas-y, couche toi par terre. Mais je vois personne. Ah merde, quoi? Parce qu'il est petite taille, c'est pour ça que vous dites ça, désolé. Oui. Non, non, mais vraiment, je vois personne. Mais putain, mais Bruce, tu fais quoi ici, là? Je pensais que t'es parti dormir, toi. Ah non, moi, je suis revenu. Mais putain. Bon, bah, ce sera pas pour ça. Je dérange. Ouais, je suis mort, putain. Mais pourquoi tu t'es pas bagarré, toi, Bruce? Bah, personne m'a demandé. Bon, c'est pas un saloon ici, allez. Bah quoi, mais nous on veut faire. Non, mais nous, en fait, y a le monsieur là, on attend. Y'a le monsieur. Mais oui, mais je peux pas. Je bah, allez dormir, revenez, vous le bah, je sais pas, vous nous avez dit, attendez, je reviens, et vous êtes revenu, c'est pour ça. Putain, une légèreté, c'est pas un saloon ici. Mais pourquoi j'ai une tête de pute, moi ou quoi là? Pourquoi tu crois que j'étais parti dormir Je sais pas, tu nous as dit bonne nuit. Quand ça? Bah, tout à l'heure, tu m'as caressé le cul, tu m'as dit bonne nuit, bébé. Qu'est-ce que tu dis, moi? C'est vrai, je sais pas. Oh, y'a un saloon là. Allez, on va te poser ici, on va boire du whisky. Allez, je peux le tourner, allez. Je vous ramène un gros whisky là. Sur le comptoir. Sacré whisky qui pue la merde. Allez, Abby, on va voir le docteur, allez, viens. Oh putain, j'ai envie de pisser depuis ce matin, je sais pas ce que j'ai. Là. Ça me gratte le cul, docteur, vous pensez que c'est grave? Ça doit être les hémorroïdes. Ouais, les hémorroïdes. Ça dépend si c'est interne ou externe. Oui, si c'est externe. Vous le ou pas, madame? Parce que là, vraiment, c'est. Ah, ça me ouais. De ouf. C'est quelque chose. Et vous le buvez maintenant? Moi, madame, je peux vous l'acheter aussi, ça? Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, la vache. Oui. Oula. Ah, ça te gratte bien, non? Ah, ouais, là. Ah, là, t'as des. Ouais, oh, la vache. Bah allez, c'est pas un saloon ici. Hop, hop, hop. C'est vrai. Madame, oui, moi j'ai besoin de. C'est pour ça, on est là. J'ai besoin d'une pommade. Allez, go. Mais je vous l'ai déjà passé tout à l'heure, votre pommade. Ça m'énerve. Oui, mais faut m'en repasser une parce qu'en fait, je vous explique. Il a fait un combat, la chose. Je suis sorti, je me suis fait gifler. Et je suis revenu vous voir. Oh. T'as vu, te casse la joue, Billy, c'est un petit signe. Non. Ah, mais merci Bruce, madame. Ferme ta gueule, fils de pute. Bruce, ferme ta gueule, sinon tu vas sauter. Quoi? Pardon, pardon, j'ai un blessé, désolé. Bon, Billy, faut qu'on se barre, là, gamin. Oui, tiens, attention à ce qu'il dit. Ta gueule, toi, fils de pute, là. Hey, y'a le train ici, t'as déjà pris le train? Ouais, j'ai déjà pris le train. On le prend? Vas-y, tu l'as jamais pris, toi? Non, j'ai jamais pris. Vas-y, viens, on va le prendre. Eh bien, le bonjour, messieurs. Bonjour. En fait, il y a un transit entre les deux régions, quoi. Ah oui, du coup, ça vaudrait pas. Messieurs. Ah, monsieur Billy. Ah, monsieur. Je vous laisse entre les mains de mes collègues, vous devrez pouvoir vous encaisser pour le trajet. Ah oui, vous. Ouais. Bah, très bien, monsieur. On aimerait deux tickets, s'il vous plaît. On va prendre le train, là. Vers la personne. Oui. Venez, écartez-vous un peu. Deux tickets, $2. Oui, c'est ça, du coup. Ça fera 4, alors. Ah, voilà, y a une petite promotion? Une promotion pour bah pour le 2 quoi. Bah c'est vrai que la demi-portion voilà, elle en vaudrait. Et let's go. Hey, j'ai payé. Eh bien ça a l'air confortable ici bien. Putain de vie. Putain. Et quand même niqué un mec tout à l'heure hein.
Ah, tu l'as bien baisé. Putain, ça fume, enfoiré. Ah, je fume une petite clope là. Je suis sur les nerfs en ce moment. Mais quel nerf, t'as même pas de problème. Ouais, bah. Je les cache mes problèmes. Ah, ouais, tu les caches super bien, putain. Putain de merde. T'as toujours pas trouvé des petites gonzesses, Billy? Ouais, non. C'est que des problèmes, les gonzesses. Ah, je te cache pas que mon chicou il commence à s'enrayer, gamin. Oh putain, bah, ouais, là. Ah, j'ai envie de le décharger. Là. Apparemment, tu sautes sur tout ce qui bouge, Canez. Eh, même sur ce qui bouge pas, dis-toi. Ah ouais. Je veux dire que quand je dis que je vais baiser tes morts, je vais vraiment baiser tes morts. Hein. Pas des paroles en l'air, gars. Ah, monsieur, asseyez-vous. Tu penses qu'en 1899. Oui, c'est-à-dire cette année-là, quoi. Faut que je me documente un petit peu, là. Ah, pour un coup. À ouvrir la petite maison du Seigneur. Il parle de mosquée. Il te pute. Attention au départ. Attention au départ, monsieur. Ganès, t'es quelqu'un quand même. On va partir. Ouais. Salez-vous, s'il vous plaît. Et il est où, Bruce, d'ailleurs? Ah bah, il est parti dormir. Attends, mais tu t'es mis devant moi, là. Tu veux que je te suce la bite ou quoi, là? Eh hey. Parle à moi. Ah ouais, je crois que c'est le projet. Ouais, je parlais à toi, ouais. Ah, mais il était à deux doigts que je le suce, lui. Oh, putain, mais attends, mais j'ai mal des transports, moi, en vrai. Ouais. Non, mais regarde. Oh, putain, je vais vomir, je crois. Regarde. Et là, la dame, elle va venir, elle va nous, pour nous substanter. Ah ouais? Bonjour, oh putain, mais c'est quelque chose, ça. Bonjour. Ouais, mais c'est payant. Faut lui dire quoi? Faut lui dire quoi? Est-ce que vous êtes intéressé par du whisky, une cigarette, t'inquiète, des voilà, brochettes ou un cigare? C'est combien? Eh, hey, Billy. Ouais. Je dirais un jour de raquer le train. Ah, quoi? Un jour. Vous allez pas faire pardon ça quand même. Non, mais un jour. Un jour. Quand je serai quelqu'un, quoi. Ouais. Oula, d'accord. Quand on sera quelqu'un. Ah, vous êtes quoi? Merci. Quoi dans la vie? Moi? Ouais. Putain. Je suis empailleur à ramasser de l'or. C'est et l'or, simple. Ça va, vous gagnez bien? Oh, bah, oui, ça va. Ouais, je vois ça. Ceinture dorée, holster doré. Ouais, la gamelle est bien remplie chaque soir. Hein. La gonzesse, elle est contente ou pas? Ah, bah, elle a la rue, hein. Menteur, t'as jamais baisé de ta vie, ça se voit. Bonjour messieurs. On va se calmer par contre là. Je suis très calme. Est-ce que vous seriez intéressé par du whisky, une cigarette, des brochettes ou un cigare? Ça commence à tirer pas mal. T'appelles comment? Ah bah je vais pas vous dire mon nom si vous m'insultez, vous êtes marrant vous. Ah bon, je vous insulte de quoi? Oh bah gamin. Non mais gamin, ça veut dire bon la vie quoi. Hein? Ouais, attention. Allez, bouge de là avant que je te suce, bah bouge. Ah ouais d'accord, carrément. Ah je suis avec direct moi. Ah oui, bah c'est bien. On passe pas par 4 chemins, on passe par 2 trous, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, en fait je t'aime bien finalement. C'est bah, toi aussi je t'aime bien. Ah bah impeccable. Je m'appelle Trenez, moi enchanté. Ouais, Peter. Enchanté, Peter. Bon, mon but c'est de devenir l'ennemi public numéro 1 du Far West. Ah ouais, quand même. C'est un beau projet, j'avoue. Ouais, mais tout à l'heure j'ai baisé des morts. Ouais. Ah ouais, quand même. Ah oui. Ouais, j'étais là en plus. Ah, j'y vais pas au dos de la cuillère, en plus, hein, à deux. Ah ouais, enfin. Ouais, bah, force auto. Et vous allez où comme ça, Peter? Au prochain arrêt. Ah oui, c'est-à-dire? Bah je sais pas. Bah allez, je te suis, c'est bon. Bah vas-y, ouais. Ah, tu m'as convaincu. Ah bah on fait ça alors. Eh, je suis cigarette, elle dure longtemps. Elle dure longtemps de ouf. Eh, le cancer aussi dure longtemps. Ah, ouais. Il y a un mec qui nous écoute là, on est d'accord? Oui. Ouais, clairement. Ouais. Ne lâchons pas de mots qui pourraient nous compromettre, Peter, évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Certes. Dorénavant. Néanmoins. Eh oui, bien sûr. Oui, tout ça à la fois, j'imagine. Et là, mon ami devant, il s'appelle Billy. Ah, enchanté, Billy. Moi, c'est Peter. Peter Quinn. Salut, Peter. Bah, hier, Billy, il a mangé une brochette de porc et il avait pas le droit. Il savait pas. Eh, tu pourrais porter plainte, hein, Billy, tu sais. Ouais, en vrai, ouais, oui. Mais bon. Contre l'entreprise Rockwell et tu pourrais gagner des millions, hein. Ouais, c'est vrai, mais bon. Bah ouais. Apparemment, tout pour le million, elle est mal venue ici, donc T'as pas de religion, la religion c'est le dollar. Ouais, c'est vrai. Et les femmes. La seule femme qui l'a baisé, c'était une jument, c'était avant-hier. Ouais, Peter, en parlant de ça, t'as déjà baisé, toi? Oh bah oui, bien sûr. Tu descends là, Peter? Excusez-moi, monsieur. Bah en fait, c'est pas du tout. J'ai les fesses collées au siège, là. Attends, mais là, y'a rien ici. Elle bah, a coupé. On va attendre. Je me décoller. Attends, mais t'en as pas marre de fumer, toi, ou quoi, là? Ouais, ça, elle était longue, la cigarette. Ah ouais, j'ai chopé le cancer en une cigarette. Ah ouais, bah, je me mets par une terre. Une cigarette cancer. Ouais, bah, mets-toi par terre, Peter. C'est pas grave. Vas-y, mets-toi par terre. Profitez de moi. Ouais, c'est quoi de ces cheveux, là, mon gars, là? C'est l'inflation, oui. Ouais. Eh, bonsoir. Oh, staff, moi. Vous aurez pas une petite bière, oui? Oh, lui, il a le cancer. Justement, on en parlait. Ah ouais, le cancer, quoi. C'est quoi, ça?
là 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 là. La fête, elle est... Elle est à construire. Je cherche à aller à Saint-Denis. Arrêtez de critiquer. Il fait écraser par une vache ou quoi, mon con? Eh oh, on va se calmer. Je dirais que c'est fait baiser par un taureau, le con. C'est vrai, oui. Mais comment ça allait, comment saviez-vous? Comment ça? Monsieur Lay. Hein? Hein? Monsieur Lay, Abdoulaye. Ah ouais, c'est vrai, il a chanté. Ah, t'as pas peur, toi? Pourquoi? C'est-à-dire, monsieur? Ouais. Hey Billy, t'as pas peur, toi? Il me fait penser à un mec. Ah oui? Ouais. C'est pensé à qui? Je sais pas, un mec qui joue à des jeux de chevaux et tout. Ah ouais, des jeux de chevaux. Bizarre. Je sais pas, un mec qui joue à Fortnite, je sais pas quoi. Oh putain. Hey, Fortnite. Moi, je bois des bières, moi. Un mec qui s'appelle Jean. Non, il est où, ah ouais. Jean Porno. Jean Porno. Ah, tu lui ressembles de ouf. Il ressemble très fort, hein. Bah, allez, ah ouais, viens, on s'assoit là. Allez, on s'assoit. Parlez d'un Jean Popo. Ah, vous appelez comment, vous? On connaît les fanboys, hein. Un petit nain, vous. Vous appelez comment, petit nain? Vous appelez comment, petit nain, oui? Moi, Billy the Goat. Oh, chanté. C'est la street réalité, c'est bien vous. Et Abdoulaye. Oui. Et tu viens d'où, comme ça, gamin? Ouais, j'ai d'une terre lointaine. Regarde-moi quand tu... Regarde-moi un petit peu, là. Ah, mais regarde-moi droit dans les yeux, s'il arrive. J'arrive pas, je louche un peu, excusez-moi, oui. Ah ouais, pas qu'un peu, putain. Ouais, c'est pas facile. Et tu t'as refaire, hein. Voilà, ça fait peur. Ouais, tu vas essayer de sur le train. Je viens d'une terre lointaine, oui. On appelle le Maghreb. J'ai fui. Oula. J'ai fui les Arabes, hein, parce qu'il y a trop de... Ah bah, fallait y rester, hein. Il y a pas de bière. Fallait y rester, parce qu'ici, t'es pas bienvenu. Il y a pas de bière, monsieur Billy, saviez-vous? Moi, il me faut de la bière. C'est mon gasoil. T'as cru? T'es une calèche enculée ou quoi? Gasoil. Une calèche au gasoil, toi t'es fort, toi. Oh, vous savez, ils ont découvert le pétrole là-bas, c'est comme du café. J'ai entendu, oui. Ça s'appelle l'or noir, à ce qu'il paraît. Monsieur. Les noirs? Non, c'est pas l'or, ça. Noir. Bon, Abdoulaye, on va à Saint-Denis, d'accord? On va essayer de foutre le bordel là-bas et puis de gagner sa croûte, quoi. Je pourrais gagner ma croûte avec vous. Ouais, y a les Italiens pour vous aider, s'il vous plaît. Faut que tu fasses tes preuves. Ouais, faut que tu fasses tes preuves, hein, écoute. Y'a pas de soucis, monsieur Billy. Vous savez, moi je suis loin en ville, verbaliste, oui. Et je m'appelle Khanez, moi d'ailleurs, en fait. Ah, monsieur Khanez, ça me rappelle le Maghreb. On va te faire sauter dans une rivière avec des crocodiles, tout en faisant vivant, tu viens avec nous. Me faire sauter, voilà, ouais. Avec des crocodiles. Ouais. C'est-à-dire des animaux dans la mer, ouais. Ah ouais, c'est des espèces de vers de terre, ils vont même pas te toucher, tu pues la merde. Ah ouais. Fils de pute, va. Le train arrive en gare de Saint-Denis. Merci, cher. Et vous pouvez descendre, le train est arrêté. Allez, merci bien et bonne journée à vous. Faites attention. Dans la vallée. Italien. Vous voyez mon cheval, ce fils de pute là? Mais c'est volu, fils de pute. Mais il est con. Mais putain, mais tu le vois? Il est là par terre. Il est par terre. J'ai un cheval, il est petit, ce con. Allez, on va au magasin du coup. Tu peux pas monter dessus, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, il est tout petit, quoi. On peut encore monter dessus. Mais vous l'avez pris jeune aussi. Bah oui, je suis con. Vous avez fait la même erreur que moi, voyons. Je viens du Maghreb. Hop là, ça c'est bien, ça, ma bière. Ça c'est bien. Eh, venez, on se met dans une petite ruelle et on commence à traficoter quelques trucs, quoi. Et on se met dessus. Allez, vas-y. Bon, Billy, c'est toi le chef de file, normalement. Allez, vas-y. Bah, on te suit, Billy. Allez, Billy. Ouais, allez, venez, on y va. Monsieur Billy, malgré votre tête, vous êtes très imposant. C'est moi le chef. Il y en a un qui ouvre sa gueule, je lui coupe la langue. Avec votre ceinture. Ta gueule, toi. Respecte le boss, fils de pute. Chez moi. Désolé. Ah, vous avez pété mon nez. Mon nez. Voilà, vas-y, fais-lui la spéciale. Ah, la gueule. Non, le porte pas, t'as pas. Viens, on met dans les oreilles. Viens. Vas-y, on va se côté un petit peu. Bon, en attendant que tu te réveilles, Abdoulaye, Peter, parle-nous un petit peu de business. Des Italiens. Parle-nous de ta vie un peu, ouais. Alors, les Italiens, c'est très simple. Hein. En fait, c'est ceux qui gèrent Saint-Denis. Hannesburg, c'est les... fourmis de merde. Comment ils s'appellent, putain, les bolos, les labos, voilà.
Les lobos. Ouais. Non, c'est ouais. Les lobos. Ouais. Voilà. Bien en fait, parce que je vais commencer à m'énerver, je vais devoir couper la langue. Ok, bon, ok, je vais aller vite. Les Italiens gèrent Saint-Denis, donc ils gèrent l'opium. Ouais. À Annesburg, tout simplement, c'est là où tu peux le vendre. Et du coup. Continue. Sois pas distrait, continue, je t'écoute là. Et du coup, c'est les Italiens qui gèrent ça. Et si vous voulez vendre de l'opium, il faut s'adresser aux Italiens. Ok, est-ce que t'as un contact avec eux ou pas? Je crois que j'en ai un. Oh ouais. Et tu pourrais le contacter par Telegram ou je sais pas, lui envoyer un truc. Ouais. Tu veux faire de l'opium? Ouais, non, mais ou de la morphine, non? On peut leur vendre de la morphine ou pas? Ouais, comment je me dandine? Ça se voit en Valentine, c'est autre chose. Ah, d'accord. Je peux avoir votre nom, vous? Sammy Jones. Ah, ça, putain, c'est Sammy, ça. C'est pas vous. Donc, ok. Non. Vous connaissez les indomptables ou pas? Ah, pas du tout. Non. Pas vous, ça, je sais que vous connaissez pas. Bah, en fait, c'est un peu compliqué. Attends, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu sous-entends là? Attends, mais t'es malade? Vous êtes perdu un peu, mais tranquille. Ouais, ça va pas. Ouais, mais pas de soucis. Les indomptables, c'est des mecs à Tumbleweed et eux, ils ont de l'oseille sur. Ah, si, les mecs en bleu, les mecs en bleu. Ouais, voilà. Alors, tu rentres en moi ta grande gueule, va. Ça, c'est mon garçon. Eux, je les dépouille, ils ont des 3000 dollars sur eux. Mais attends, mais toi, tu me parles de 3000, mais j'ai jamais vu un seul dollar de ta poche, enculé, va. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. On t'a jamais vu, avec un cheval assez costaud. C'est là, tu me fais miroiter de l'or, des 3000 dollars. J'ai même pas de cheval pour vous le dire. Mais t'as fait quoi avec 3000 dollars? Mais t'as fait quoi avec 3000 dollars? Non, c'est parce que j'ai quitté le pays et quand je suis revenu, j'avais plus rien. Ouais, mais fallait pas quitter le pays, bordel de merde. Ouais, bah je quittais. Ouais, je suis revenu il y a pas longtemps. Madame Grimaldi, vous la connaissez ou pas? Ah ouais, Madame Grimaldi, putain, tu m'en parles, Billy, j'ai jamais vu la couleur de ses yeux. Madame Grimaldi, c'est une meuf. Oh là là, hé. Ah, c'est ta meuf, ok. Non. Ah, c'est votre meuf. Non, c'est pas ma meuf. Non, c'est une amie. Enfin, c'est une connaissance. Ah, je dors chez elle, quoi. Quand on dit amie. Ah, bah. Quand je suis à Saint-Denis, je dors chez elle. D'accord. Tu connais pas Madame Grimaldi? Non. Il est frangin? Trop riche. Peter, ce qu'on peut faire, c'est. Tu lui mets en relation avec les Italiens. Comme ça, bah, on fait du business avec eux, quoi. Parce que nous, on a de l'opium et tout à vendre. Ouais. Là, on a un stock à écouler, là. On a de la morphine. On a des seringues. Tu pousses des verres dans le cul, quoi. Ouais, pourquoi tu veux me le lécher, sale bâtard? Bon, je vais le contacter, j'arrive. La con de tasse. Bon, vas-y. Attendez, il faut que je sors ça déjà. Alors, ouais, y a beaucoup de fils de ça qui est portable. Bah non. Comment ça, ils sont un portable? Comment ça, ils sont. Ah ouais, il a sorti carrément le Nokia et tout. Ah ouais. Ah ouais. Il a dit, attends, je vais envoyer un message. Je sais pas. Ça va envoyer des messages sans aller. Envoie des pigeons, il envoie des pigeons. J'ai pas dit ça. Ah, il faut que je sors les notes. Ouais. D'accord. Vous avez les numéros notés dessus? Leur QG, c'est le salon de Saint-Denis. Bah, let's go. Venez, on va au salon de Saint-Denis parce que les Italiens ils traînent là-bas. Ouais, vas-y, on y va. Et je peux parler là-haut? Ouais. Jusqu'à haut. Bah, moi. Ah, ouais, je suis dans 20 secondes environ. Ah, ouais, mais là, c'est mieux que tu fermes ta gueule. Ouais, tu crois que Saint-Denis, c'est comme Saint-Denis à Paris? T'es un malade. Tu crois que c'est Aulnay sous-bois ici? T'es un baiser, toi. Ouais, bah, tu vas rester encore. Putain, comment j'ai ouvert la porte? Machallah, Billy, ouais, comme vous dites. Machallah. Il est où le saloon, là? Saloon. Ah, bah, suis-moi. Non, toi, je vais me lever. Et hop là. Allez, viens. Ah, ça fait bien, oui. Hey, il s'est passé quoi? Seigneur, faites que je baisse tout le monde dans cette putain de ville, fils de pute. Ah. Amen. Fils de pute. Regarde, oh mon dieu. Oh, t'es mort. Oh mon dieu. Mais tu sais que je rentre en transe quand on me touche comme ça là, tu m'as ploté le cul, enculé. Oh monsieur Rail, vous avez une cavité comme moi, oui. On le laisse au bord du trottoir, les gars. Il a un cerveau bien développé. Pas comme moi. Non. Mais c'est plus fort que moi, on me touche le cul, moi je riposte. Putain, j'ai le cul qui me gratte, ça me démange. Ah ouais, le cul qui vous démange, monsieur Ranez. Ouais. J'ai des pus, je sais pas, je dormais la belle étoile, j'ai des sangsues dans le cul. Ah, dans le cul, ouais. C'est pour ça qu'il faisait que de bouger tout à l'heure. Mais ça me dérange pas, j'aime bien. JP. Oui. Juste pour te donner l'ordre. Ah, c'est moi le chef. C'est moi le chef. Ah, je vous respecte à tous. C'est Billy le chef ici, les gars. C'est Billy, moi le chef. D'accord. 362 combats. 360 combats. C'est honorable. Ah, bien sûr que c'est honorable. 362. Et combien de victoires? J'imagine 300. Pose pas des questions qui viennent. J'ai gagné beaucoup d'expérience, c'est tout ce que tu dois savoir. Il est où le saloon? Faut se faire respecter dans le saloon. Faut rentrer, faut insulter tout le monde. Y'a personne. Bonsoir. S'il y a du monde, t'inquiète pas, gamin. Jette-le sur une table. Mais bien sûr. Téléphone, putain. Allez, téléphone. J'ai ramené le whisky, hop là. Attendez, j'appelle le shérif. Vas-y, appelle. Il fait quoi? Il fait quoi le boulot de l'autre? Il est en train de... Ouais, il fait des incantations, ce fils de pute. Ouais, laisse tomber, la connexion est terminée. Bon, ok, bon, y'a pas d'italien alors. Ça va, monsieur, là, bonsoir. J'ai pas d'alerte, c'est pour savoir s'il y a un besoin. Hey, bonsoir. Vous allez bien?
Les roches pas. Je chercherai un petit peu les propriétaires du saloon de l'autre côté de la rue. Là. Est-ce que vous les connaissez? Eh, effectivement, mais ils sont pas présents actuellement. Ah merde, putain, je voulais me bourrer la gueule ce soir, je voulais fêter un truc. Ah oui, vous voulez fêter quoi? J'ai baisé ma mère. Cette catin là. Ah ouais, c'est une grande victoire. Vous appelez comment, messieurs là? Vous êtes habillés de la même manière et c'est pour quelle raison? Parce que nous aimons ce genre de costume, enfin, monsieur. Que, vous êtes et vous, monsieur? Oh, bah écoutez, moi, c'est René the Kid, mais tout le monde m'appelle René the Kid. René the Kid? Ouais, enchanté, ouais, enchanté. Ouais, enchanté. Votre chapeau est assez atypique. Oui. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est un mélange de guépard et de crocodile, j'ai fait un petit mélange. Et d'où venez-vous, monsieur René the Kid? Dites-moi. Écoutez, ce qui paraît, j'ai des origines françaises, mais bon, j'y crois pas trop. Hein. Ah, vraiment, français, un compatriote vraiment. Ah bon? Oui. Ah, mais c'est formidable, attends, attends, dites-moi un truc. Est-ce que vous avez la tour Eiffel ou pas encore? La question se pose pas. Construction? Ouais. Non, ils l'ont fini. Déjà fini. Ils l'ont fini. Ah oui, oh, vous n'êtes pas repassé depuis... Ça fait longtemps. Ouais. Vous êtes arrêté au premier étage, je pense. Moi j'ai pas encore eu le putain, ça me casse les couilles cette histoire là. Je suis venu récupérer de l'oseille à mon oncle, il est mort, une histoire d'héritage de merde, tu me dis, ça me casse les couilles. Bien le bonsoir. Mais qu'est-ce qu'il y a, t'es en train d'encore raconter ta vie, Canez? Mais non, mais ça va, arrête de faire les dépressifs. Ah ouais, mais ça me casse les couilles, ça fait deux semaines que j'ai pas baisé sauf ma mère ce matin, quoi, ça me casse les couilles. Ah ouais. Ah oui, votre mère, d'accord. C'est vraiment terrible. En effet. Vous appelez comment, messieurs? Elle dit quoi, on est des sauvages, il a dit? Moi c'est Victor, enchanté. Victor, et... Qui a dit qu'on est des sauvages? On est des sauvages. Et oui, j'ai entendu sauvage. Un peu sauvage, moi. C'est moi-même, un peu sauvage de faire avec sa propre mère, voyez-vous. Ouais, c'est un peu sale. Ça va, voilà. C'est une question de goût, hein. Ah, vous savez, en France, ils se marient entre cousins et cousines, on rodolait, quoi, voilà, quoi, la gueule du gosse. T'as plus envie de le jeter à la poubelle qu'autre chose, quoi. C'est vraiment moche, par contre. Regardez mon ami à côté, Abdoulaye, quoi. J'ai du Maghreb, c'est pas la même chose. Ouais. Nous, c'est entre frères et sœurs, oui. C'est moi de vous couper la poire, vous avez pas une petite bière, là? Ça vous dirait d'arrêter de. Mais ça vous dirait pas de fermer votre gueule et me donner ma bière là? Vous savez qui je suis, moi? Voilà, montrez-leur. M'appelle Monsieur Lay. Monsieur Lay. Monsieur Abdoulay. Abdoulay, surtout ne les frappe pas. Surtout. Excusez-moi, face à face, pas, ouais, serait gentil de vous excuser un petit peu. Excusez-moi, les trois albinos mal formés, désolé de vous avoir. Pardon? Allez, dégage! Allez, Abdoulaye, excuse-toi pour de vrai là. Trêve de plaisanterie, voilà. Excusez-moi de vous avoir attrapé par le callback. Faites bien attention à vous, monsieur. Oh, Abdoulaye, t'as menacé là. Attention, la menace. Non, je me soumis à ces menaces. Ah bon. Eh ben, reste loin de nous, sale pute. Ouais. Ah oui. Excusez-moi. Mais la prochaine fois que vous menacez. Oui. Vous verrez pas mon côté maghrébin qui va contre ressortir. Contre menace, alors. Ah ouais. Ah oui. Vous voulez dire comme ça? Et vous pensez me faire peur avec votre... Je pense que oui. Effectivement, j'ai peur, oui. Bon, allez, Abdoulaye. Moins infesté, peut-être. Allez, attends, Abdoulaye, vas-y, suce-le, puis on y va, vas-y. On se tourne. Le français des Jacques, c'est la tradition. En plus, t'as pas de dents, là, vas-y. Ah, c'est en français. Allez, vas-y. Comment ça? Elle demande s'il est d'accord déjà. Ah, j'ai une petite bouche, moi, c'est. C'est encore mieux. Elle est étroite, quoi. Ah, ils sont partis, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Ah, dommage. Mais c'était eux, les Italiens. Ah, c'est vraiment une ambiance macabre. Non, c'est des Français. Attends, c'est ton cheval là. Il a grandi ce clochard. Attends. Ah, oui, c'est bien, oui. Ah, oui. En 10 minutes, il a grandi, ce con. Hop là. Oh putain, ah ouais, j'avoue.
Oh la vache. Montez, monsieur Billy et monsieur. Vous croyez que nous on est au bled là? On était à 3. Bon, attendez, à ce qui paraît, on peut aller vendre dans le nord là. Où ça? Ansberg. Ansberg. Allez, on va faire ça alors. Ah, il nous dit quelque chose aussi. Me menace pas. Tranquille. Bah attends, mais Billy, mais prends ton cheval, putain. Ouais, non, mais j'ai pas fait exprès. Eh, faut qu'on quitte la ville, dépêche-toi, Billy. Ah, mon cheval, fils de pute, il est encore mort. Eh oui, il est mort, là. Putain. Ah, oui. Allez, on y va, vas-y, Billy, allez, galope. Allez, on y va. Allez, y'a deux, viens. Oh, excusez-moi. Mais Abdoulaye. Oh merde, hein? Oh, excusez-moi, oui. Excusez-le, désolé, monsieur, il vient d'arriver, il a pas toute sa tête, excusez-le. Je suis vraiment navré. Oui, je dégage, oui. Oh merde. Là, doucement avec ton arme, ça y est. Eh hey, Abdoulaye, allez, remonte, on y va. Appelle ton cheval. Allez, on y va. On vous rejoint. Eh, dis-moi, t'as besoin d'aide ou quoi? Hey, monsieur. Eh, gamin, t'as besoin d'aide ou quoi? Monsieur. Déjà deux, donc c'est compliqué. Ouais, mais on peut t'aider autrement, je sais pas, t'as soif, t'as faim, je sais pas, moi. Bah en fait, j'ai 50 centimes sur moi. Ah ouais. Ouais. Et je sais même pas si j'ai soif ou pas. Ouais, en fait. Allez, ta gueule. Allez, bon courage. Allez, ta gueule. Ah ouais, c'est bon. Il me raconte sa vie, ce fils de pute. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai pris mon couteau, j'ai fait un petit trou dans ton petit camis là. Quoi? Wesh! Tu faisais quoi là? Bah putain, t'as tout niqué. Bah, allez, tu faisais quoi? Ouais, rien, c'est bon. Mais j'étais en train de me dégorger le poireau, bordel. Allez, monte! Oh non! Allez, monte, c'est bon, tu te laveras plus tard. Putain, y'a une de ces cascades là-bas, viens. Attends, mais c'est trop beau ici! Ouais, putain. Oh, allez, on descend dans la vallée. Dans la vallée. J'ai fait entendre les échos. Il saute bien! Ouais, comme moi, là, je suis en train de bien te sauter, enfoiré, va. Ouais, doucement. Ah, j'aimerais bien aller doucement, mais là, je suis avec le mouvement du cheval. C'est là. Ta queue, c'est ta queue ou ton couteau là qui coupe derrière là. Je t'ai même mis le genou là. Ah, je me régale. What? Attends, on a percuté un mec là? Non. Ah, je te jure qu'on a baisé un mec là. Ah, ouais? Et pas qu'à peu, hein. Oh putain. Les risques du métier. Salut, fils de pute là. Hein? Et même tu reçois un seul fils. Mais merci! Et merci, Jérém, fils de pute, pour tout ça! Même moi, tu auras ta gueule, enculé, tu fais quoi avant? Eh, hey, y'a un bain public, vas-y, viens! Alors là, ça va être cul là! C'est comme ça que ça marche! Oh, comment c'est dégueulasse! Oh, c'est le bain public ça! Mais ouais, y'a du pétrole dessus! Et c'est pas là, trou du cul, mais y'a là, putain, c'est là! C'est pas là le bain public! Je pensais que c'était là, moi! Mais c'est là, putain, viens, regarde. Putain, je me suis pas. Ouah, wow, ouais, 2$, ah ouais. Ah ouais. Elle m'en bat les couilles, je le fais, allez hop. Eh, hey, bouge de là, putain, mais viens, rentre, vas-y, viens. Putain, je vais tout mettre. 5$, rien à foutre. Eh, hey, Billy, vas-y, viens. Ouf, t'es pas, y'a une meuf qui arrive et tout. Ah ouais, ouais, vas-y, bébé. Mais voilà qu'il y a une meuf qui arrive. Ah, il la voit pas, moi. Dommage. Ah ouais, elle est là. Ah ouais, vas-y, frotte-moi, bébé. Frotte-le. Putain, vas-y, frotte-moi, espèce de catin, va. T'es mangé, moi, tes jambes de grenouille, va. Et moi, t'es frotte les bras et tout. Incroyable. Hop là. Moi, je touche quoi, là? Et moi, touche quoi, là? Wow. Ah, je vais lui frotter autre chose, moi, après, hein. Madame. Oh. Wesh, madame. Mais non, mais elle vérifie juste la température de l'eau, t'inquiète. Non, bah oui, elle est partie voir le thermomètre. Non, mais attends, mais elle est en train de... Wesh. Oh, c'est bon, j'ai fini, c'est bon, je wesh. Sors. C'est bon, madame. Je sors. Eh. Ouais, moi aussi, ouais. Mais putain, mais c'est qui gueule, là? Là, je peux pas baiser tranquillement, quoi, fils de pute, va. Ouais, mais attends, putain, mais attends. Il est où, ce con? Il va te faire enculer, putain. Oui, c'est où? Oh, Cadez! Bah putain, mais il est là, mais putain. Mais je suis là, j'étais en train de baiser, putain. Excuse-moi. Il était en train de baiser. Ah, non. Tu vois, c'est Billy, Cadez. Viens. Ah oui, j'ai jamais fait ça, bon, c'est vous. Soule. Vas-y. Ah, soule. Mais enlève le camis, espèce de gros dégueulasse. Attends. Il s'est posé comme un meuble, ce con. Voilà, Bain Deluxe. Regardez qui rentre. Ah, il est là. Ah, ouais, là, tu la vois. Ouais.
Allez, chez moi bien. Pétasse, là. Ah oui, ouais, ça caresse mon nez. Ah ouais, caresse mon nez. Ouais, c'est comme une couille, madame, c'est ça, ouais. Tu vois la raison qu'on a gagné tout à l'heure en touchant des morts, bah là on le dépense comme ça. Voilà, on le dépense comme ah ça. Ah oui, c'est donc ça votre. D'ailleurs, on a perdu des vies, ouais. Aïe, oui, madame. Vous avez quoi, vous allez-y. Dis-lui, dis-lui de toucher le thermomètre. Touche-moi le thermomètre, madame. Thermomètre. Ouais, ouais. Oh mon dieu. Elle est en train de chercher là, oui. Oh waouh. Madame. Vas-y, refais madame. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est j'aime bien là. Elle est en train de déboucher les biais ou quoi, gamin? Ah ouais, c'est. Apparemment, c'était bien bouché, apparemment. Ça me donne le bar, oui. Attends, ouais, madame, c'est bon. Il y a trois fils de pute à l'extérieur là-bas, là, tu les vois? Allez, on y va, madame, excusez-moi. Ah oui, oui. Oh, ah, des clochards là. Ça y est, madame. Arrêtez. Billy, je crois que c'est bon, tu peux sortir là. Fais gaffe, tu vas te noyer, c'est ta pied ou pas, Billy là? Attends, c'est au tour JJP là. Allez, Abdoulaye, toi. Ah oui, vas-y. Allez, Abdoulaye, allez, viens. À mon tour? Bah oui, attends. Il a dit. Allez, Abdoulaye. Allez, hop. Ça se voit, il a jamais fait une bonne service, cet enculé, regarde. C'est la première fois, je crois, un bar. Regarde ses yeux, regarde ses yeux. Ah, sa tête. Ah, ça fait du bien, ouais. Il est chaud, le bar, ouais. Tranquillement. Je me frotte un peu, ouais. Hop là, les ablutions. Eh, trop du cul, mais avais-tu une gonzesse? T'as pas faire ça tout seul, mais putain. Mais une gonzesse, putain. Ah oui, et ouais. Ça coûte cher quand même, saviez-vous? Mais. Ta gueule, vas-y. Allez. C'est la moitié du prix de mon cheval. Ils ont pas changé l'eau, hein. Attends, parce que là, je me frotte. Ah oui. T'es un bébé ou quoi, là? Mais t'es un baiser ou quoi? Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Bougez pas. Bah, on bouge pas. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Ok, ouais, on bouge pas. Ouais. On se calme, mes mecs, on se calme! Qu'est-ce qui se passe, messieurs? Qu'est-ce que vous voulez de nous? Ouais. On vous entend pas? On vous entend pas? Ouais, ils ont pas la tête, hein. La tête de quoi? La tête de. On est que des clochards, nous. Mais parlez-nous, bordel de merde! Ça se voit que t'es un clochard, mais. Eh, parle bien, par contre, parle bien. Fais bien, qu'est-ce que tu dis? Mais parle bien, ta bouche. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe alors? Eh, hey, tu veux jouer au héros? T'as pas vu combien on est ou quoi, toi? Mais non, mais dites-nous pourquoi vous nous braquez déjà? Ouais, bah y'a pas besoin de parler. Fils de pute. Ah bon? Hein? Oh, j'aurais pas aimé monsieur Canez, hein. Dis quoi? Non, c'est une question que je pose. Pourquoi, fils de pute? Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. Très très fort, fils de pute. Pourquoi, fils de pute? Mais ah oui, hein? Mais je parlais à notre cheval de merde qui galopait pas, Billy, putain. Hein. Ah, il y a trois chevaux là. Ah, mais attends, je les connais, ces individus. Eh là, je comprends rien, les gars, là. Alors, je vous explique, on va très simple. En fait, on vient de subir une agression juste un peu plus haut au niveau de la mine. Ah, bah d'accord. Bah, nous, on n'était pas à la mine, on savait pas c'est où. Voilà. Du coup, je voulais juste savoir un peu à quoi vous ressemblez pour savoir si vous correspondez à la description qui a été faite. C'est pas nous, fils de pute, on vient de Saint-Nile. Ah oui. Par contre, le fils de pute, là, il est un peu trop. Donc toi, tu vas te mettre sur le côté et on va voir qui c'est le fils de pute entre toi et moi, d'accord? Ah, bizarre, ouais, vous avez votre collègue. Moi, j'ai rien dit, votre collègue. J'aime bien. Abdoulaye, tu portes des couilles. Oui, d'accord, excusez-moi, monsieur. Attends, mais t'inquiète. Reste là, on va discuter après. Après, Billy the Kid, on se connaît. Hein? Ouais, on se connaît. On se connaît. Ouais, on se connaît. Donc, tu vois, tu parles pas à n'importe qui. Donc, ton collègue, on va régler ça comme tu sais très bien, comme je les règle les choses. Mais vous êtes qui du coup? Parce que moi, je vous connais pas. Mais t'es qui? Moi, je me rappelle pas, t'es qui? Ah ouais, mais tu vas apprendre à me connaître et tu vas très vite me reconnaître. Ouais, alors, venez, on va passer un bon moment. Du coup, vous correspondez pas du tout à la description. Ça sert à rien de monter dans les tours. Mais du coup, on va passer un bon moment. Mais c'est toi qui es en train de monter dans les tours là. Mais moi, tu es en train de te gonfler là. Attends, Billy, laisse-le parler. On va juste passer un bon moment. Parce que Billy, je sais qu'on est plus ou moins, on aime tous les deux la même chose. Donc, viens, tu vas vite me reconnaître. Let's go. Il aime les gonzesses. J'aime tout, moi. Il aime les gonzesses, quoi. Fils de pute. Il voulait lui montrer son sgeg, peut-être ça se trouve il aime les hommes, mais Billy the Kid, hein, on sait pas. Hein. Et il aime les. Il t'a dit de le suivre. Hein. Allez, faut le suivre. Ah, mais toi, Billy the Kid. T'as l'air retardé, mais bon. Ah, il plonge dans ça. Monsieur Alès, vous les connaissez? Là, je les connais pas. Moi. J'ai du mal à voir, voyez-vous. Il me fume, Abdoulaye. Ah, je m'en rappelle plus. Allez, Billy, nique-le. Ah, tu vas venir, là? Ah, mon dieu. Lâchez-moi. Ça y est, je m'en rappelle. Lâchez-moi. Tu vas fermer un peu plus ta gueule, toi. Mais lâchez-moi, mais. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bah, vu que tu me connais, c'est monsieur, bonjour. Ablaye. Ouais, pas mal. Ouais, il veut pas mal. Allez, Abdoulaye, vas-y. Pas mal. Désolé, monsieur, je suis pas de ce bord-là, moi. T'es avec nous, lui? Mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, on était en train de baiser dans les bains et puis ils nous ont braqué. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? C'était en train de faire quoi? À quel moment c'est un braquage? Attends, tu nous as pointé flingue sur eux. Bah oui, tu nous as pointé une arme sur eux. Comment ça? Ah oui, bah t'étais pas là, hein. Ils nous ont traité de grosse merde, de fils de pute. Mais quoi? Mais attends, mais t'as été un câble ou quoi? On a insulté, moi aussi, on était dans le DP. C'est la pute qui l'a insulté.
Non mais vraiment, j'ai jamais croisé ces mecs-là. Non mais en fait, je t'explique. Ils sont excités du cul. Comment ça me péter les couilles? Là on voit tout le monde. Désolé, Billy. Non, mais là on voit tout le monde. Regarde, lâchez-moi, je vais t'achever. Oh putain, attends, je vais les voir. J'ai réglé ça, j'ai préféré régler ça. Billy, t'as fait quoi là? Bah allez, on va passer à autre chose du coup, Billy. Ouais, t'inquiète, allez. Allez. Bah attends, mais du coup, on sait même pas qui c'est. Ouais, du coup, on peut passer à autre chose, c'est bon. Essaye de... Attends, bah essaye de parler avec... Viens, viens. Eh hey, messieurs, messieurs. Et du coup, là, vu qu'on a enterré la hache de guerre, on peut faire la présentation ou pas? Que je sais même pas qui vous êtes. Bah, tu demanderas à Billy, Billy me connaît. Bah non, il vous connaît pas, apparemment. Si, si, il me connaît. Et moi, je suis charmeur de serpents. Charmeur de serpents? Ouais. Ok. Bah, bon courage. Bah, bon courage avec les vipères, alors. Eh, Billy, du coup, c'est qui? Ça se voyait. Bah, on sait rien. Bah, c'est les mecs qui contrôlent la ville. Ouais, c'est des mecs. Eh, laisse tomber, eux, ils contrôlent toute la ville, frère. Ouais, mais ils sont pas de la mine. Je sais pas, ils sont pas de l'eau, je crois. Attends, si, si, il m'a dit Max, je sais plus quoi. Y'a pas des médecins là, mais on fait du business avec eux là. Bah, tu veux le. Vas-y, vas-y, fais. Attends, tu viens. Bah, moi, ils voulaient pas trop parler. C'est des Mexicains? Ouais, c'est des Mexicains, je sais pas ce qu'ils foutent dans ici là. Apparemment, ils ont trouvé les mecs qui cherchaient quoi. Ils sont pressés. Moi, je me suis fait racketter sur la route. Mais non, avec qui? Je sais pas, ils voulaient m'arrêter pour me prendre mon flingue, j'ai pris mon cheval et j'ai fui. Il s'appelait Cooper. Max, non, Max. Max Cooper, je crois. Ouais, c'est énervé. Je leur ai dit pourquoi vous avez braqué. Ils nous disent, mais non, vous avez pas braqué. Ah bon, j'ai dû rêver là. Ah, j'ai dû rêver. Je me suis auto braqué avec ma queue, quoi. Bon, allez, toi, tu meurs pas, fils de pute. Meurs pas. Mais tu l'as dégommé. Mais non, mais ce fils de pute, à chaque fois qu'il me voit, il fait un arrêt cardiaque. Je comprends pas. Je te jure, je comprends pas. Mais on va aller chercher le revendeur, quoi. Tiens, Billy, on essaye de demander discrètement c'est où le. Vas-y, vas-y. Avec la rachette, quoi. Ah ouais. Monsieur Cooper. Ouais. J'ai une question à vous demander. On peut s'éclipser de quelques mètres? Ouais, y'a pas de problème. Bah, en tout cas, je vous remercie. Super. Bah, je l'aime bien, moi, Cooper. Hein. Vas-y, parle avec lui, toi, maintenant. Montre-lui. Viens, montre-lui. Et quand tu parles, chuchote-le bien. Ouais, t'inquiète. Vas-y. Montre-lui. Ouais, monsieur Cooper, encore une fois, désolé pour la gêne occasionnée tout à l'heure. Ouais, on voulait s'excuser. Hein. Non, mais y'a pas de problème, c'est que, en fait, en ce moment, on a un groupe qui tire à vue sur mes mineurs, en fait. Ah ouais, non, mais pas du tout, on était dans les bars, etc. Je sais très bien que vous étiez juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Exactement. C'est juste ça, et juste après, le truc qui a pas aidé, c'est que, du coup, vous avez parlé très très fort. Ouais. Et que, du coup, ouais, y'a le fils de pute qui est parti, du coup, les autres qui étaient avec moi l'ont mal pris, et c'est passé à dégénérer. Mais après, je sais très bien que vous êtes pas de ce type-là, à faire ce genre de choses. Non. Bon, vous leur passerez nos excuses, hein. Bah, monsieur Cooper, on avait une question simple, en fait, là, on est un peu chargé, quoi, on est un petit peu... Oh, pardon, désolé. excusez-moi. Pardon de continuer la discussion, pardon. On fait comme si de rien n'était, d'accord, monsieur Cooper. Est-ce que vous... Là, on est un peu chargé, quoi, on a quelques marchandises, on aimerait bien les revendre ici. Comme de l'opium, ou des petits seringues, ou des petits trucs comme ça. Ça me regarde pas, mais c'est très compliqué ici, maintenant. Ah ouais? Ça se fait plus. Ouais, ça se fait plus. Oh, merde. Et ça se fait où, à peu près? Ça se fait qu'il faut que tu te rapproches des gens que j'ai discuté tout à l'heure, tu vois. Mais qui? Bah, les mecs là qui étaient juste là sur le côté. Ouais, avec des armes à nord, tout ça là. Ah, d'accord. Ils s'appellent comment eux? C'est les Los Muertos. On peut les trouver où? Tu prends ta carte. Tu vois Blackwater? Ouais. Chief's Landing. Ouais, je le vois, ouais. Ouais. Bah, là-bas. Ah, oui, d'accord. Chief's Landing. Ah, c'est eux qui contrôlent. Ah, ok, les gars, on va pas y aller. Pourquoi? Parce que. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Il y a le receleur des tombes. Si tu vas là-bas, ils vont t'enculer parce qu'ils vont croire que tu viens de faire ça. Non, mais pas que. Ah bon? Ils font quoi? Ouais, tu sais pas. Ils font de l'opium aussi, du coup? Mais ça fait pas depuis longtemps qu'ils sont là-bas, on est d'accord. Hein. Ben non, c'est depuis que justement y a plus rien ici. Ouais, c'est pour ça. Ils ont migré. Exactement. Du coup, fallait jusque là-bas quoi pour discuter avec eux quoi. Ouais. Exactement. Putain, les gars, si vous voulez pas avoir des soucis, il va falloir que vous courez très très vite, je crois. Mais on adore les soucis, moi je comprends pas. Il y a des mecs derrière nous, les gars. Et alors, on a le droit de ici, non? C'est des gens de tout à l'heure, monsieur Canez. Ceux qui nous ont. Ah non, c'est pas eux. Ils arrivent en. Attends, je vais en parler. Oui. Alors, bonjour, messieurs, dames. Comment allez-vous? Bah, mais c'est Victor, non? Hey, comment ça va? Hey, Victor, comment vas-tu entre compatriotes? Oh, fils de pute, t'es sérieux là? Oh, voilà. Ma mine droite, t'es sérieux là? Ouais. Oh, fils de pute, va! Ça part en couille! Ça part en couille! Ça part en cacahuète là! Tu me tapes moi!
Moi tu arrête, me piques, Tom. Ah, quand t'en rends ton nerf, t'es clochard. Et toi aussi. Lâche ça. De pute. Les mecs ils sortent les arbres direct. Pourquoi il m'a frappé? Mais pourquoi vous l'avez fait ça, putain? Bouge pas. Allez, pourquoi vous l'avez fait ça, putain? T'as dit bouge pas, tu comprends ou pas? Ok, 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 ok. Fils de pute, va. Quand tu comprends. Pourquoi vous l'avez fait ça, fils de pute? Pardon? Pourquoi vous l'avez fait ça? Pour commencer, on va arrêter les insultes, d'accord? On n'arrête pas, vous venez de buter deux de mes potes. Vous étiez malade. Vous êtes légèrement peu conciliant, messieurs. Vraiment. Ça, peu conciliant. Ah, vas-y, on vous a tapé au point, on n'a pas sorti nos armes, nous. Non, mais écoutez, insulter des gens comme ça à Saint-Denis, devant tout le monde... Ah, s'il arrive à donc ça mérite de sortir l'arme et de tirer. Bah écoutez, oui. Oui, oui, oui. Ah, d'accord, ok. C'est bon, allez, sérieusement, c'est dommage. C'est vraiment dommage, parce qu'on aurait pu commencer beaucoup mieux. En vrai, je pense qu'il faut une salle. J'aurais pas dû vous respecter. Non, vous allez juste venir avec nous, on va juste discuter, vous en faites pas. Voilà, on va discuter. Eh, hey, mais c'est pas vous justement que j'avais croisé un moment, un jour, et vous m'avez dit que vous vouliez me baiser. Moi ça? Oui, il y en a un des. Je crois qu'il y avait un des trois qui. Alors, moi, je vais d'arriver en ville. C'est la discussion la plus courte au monde. C'était. Bonjour, comment allez-vous? Je peux vous baiser. Vraiment. Vous vous foutez de moi ou. Je crois qu'il se moque de ton rire là. J'ai pas l'impression que vous avez vraiment compris la situation, messieurs. Nous sommes armés, vous êtes attachés. Ouais, armés, bah oui, ouais, oui. Vous tirez sur des gens qui ne sont même pas armés. Eh, ferme-la. Va te faire enculer, je t'emmerde. Oh, c'est pas moi, c'est pas moi. Bien, je vois qu'on avance. Ouais. Continuez. Allez, je vous en prie. Billy, vous êtes vraiment le. À un moment, ça y est. T'es vraiment le chef Billy, en fait. Alors que je me suis pris un coup de machette dans la fesse, vous voyez, ça fait mal quand même. Non, je vous ai pas touché, je l'ai pointé au niveau de votre postérieur, c'est pas pareil. Oui, j'ai senti un bout de fesse qui a décollé quand même. Toi, t'arrêtes. Aïe, nique ta mère. Ah, fils de pute. Ouais, moi je viens dire bonjour et tout, ça me met une droite. Je vais leur dire pourquoi est-ce qu'on va pas vous chercher des ennuis, les ennuis. Justement, leur laisser le temps de nous expliquer qui ils sont, tu vois. Allez mon grand, c'est pour ton bien. Alors non, normalement ça doit pas se passer comme ça. Bah ouais, je vois ça, c'est pourquoi tu mets un coup de pied encore, là je t'ai fait go. Bon, on va dire que... Mais c'est bon, je vais bouger, t'inquiète pas, je vais pas... Ouais, t'inquiète. Je te laisse debout, parce que toi t'es le moins récalcitrant que tes deux compères. Bien sûr, moins récalcitrant, fils de pute, va sucer de bite. Ouais. Billy, arrête les conneries, arrête. Il est sérieux, lui. Allez, c'est bon, Billy, arrête. Par contre, s'il essaie de se libérer, je lui mets une balle, hein. Oui, je l'ai prévenu. C'est tous les égards, vous collaborez. C'est une machette bien profonde dans la fesse. Monsieur Ranez. Oui. Il me faut une bière. Papa, je suis ligoté, gabin. Mais écoutez, vous êtes les bienvenus, donc un coup de pied chacun, s'il vous plaît. Voilà. Ah, mais pourquoi? J'y vais pas du tout. Et pourquoi vous avez deux autres personnes? Non, voilà, c'est très très bien. Voilà. Ah ouais. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Comment ils nous ont retrouvés, ces clochards? Au secours, aidez-moi. Il veut me trancher la jugulaire. Ouais, c'est grave. Je te jure, c'est grave. T'inquiète pas, Billy. J'ai envie de les baiser, je te jure. Mais non, t'inquiète pas, on va se défouler sur des vaches après, t'inquiète. Hein? Non, il m'embauche pas. Il m'a... Oui. Pardon, je braille pas, ok. Je me tais. Je réponds plus aux questions. Je sais même pas de quoi elle est partie. J'ai vu NS il se taper. En fait, le mec, je suis venu, je lui ai dit bonjour monsieur. Il m'a mis une droite. Ouais. Je lui ai dit fils de pute, mais sérieux lui. Et du coup, c'est parti de là. Ouais, frère. Mais c'est tout. Mais le mec, je lui ai dit bonjour, il met une droite avec son revolver. Et c'est comme ça qu'il m'a buté, hein, c'est avec son revolver. Hein. D'accord, toi, il te met un coup de crosse. Après nous, on vient, on se bat. Donc, ce qui est logique, on se défend. Les mecs, ils viennent, ils tirent. Ils tirent pas en l'air en plus. Si tu tires en l'air, tu finis, ça y est. Mais ils voulaient pas perdre la bagarre, c'est pour ça. Ouais, voilà. On allait les soulever. On voudrait pas vous déranger plus longtemps. Est-ce que vous pouvez nous déligoter? On vous laisse discuter entre vous et nous on part. Quoi. Merci beaucoup. Oui. Ça fait plaisir. Oui. Prochaine fois qu'on vous croise, dans les buts. Oui, excusez-moi. Oh, monsieur, c'est bon. Venez ici. Qui c'est à moi? Oui. Oui. Voilà. Oh, des coups de feu. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Désolé, ouais. C'est moi que t'as insulté de fils de pute? Platon, stop. Tu veux quoi, toi? Oh, vous m'avez manqué, Billy et monsieur Ranez. Ah oui, ils sont dangereux, hein, oui. Ouais, c'est des grosses couilles, hein. Ah, c'est des. Ouais, plus jamais on va parler mal avec eux. Ah, plus jamais. Là, oh mon dieu. Il t'a tapé comme ça, genre. Hop là. Voilà, messieurs, c'était pour le montrer. Lorsque vous rencontrez un groupe,
Écoutez-moi bien, lorsque vous rencontrez un groupe que vous ne connaissez absolument pas, ne commencez pas par les insulter, commencez par un bonjour, comment allez-vous? Ah, qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est ce qu'on l'a fait. Oh, vous êtes de dangereux personnages. D'accord. Oui, ah, messieurs, bonsoir. Hey, bonsoir. Ah, vous allez bien? Et alors, bonjour, messieurs, dames, comment allez-vous? Mais c'est Victor, non? Comment ça va? Victor, comment vas-tu entre compatriotes? Vous comprenez le raisonnement? Ouais, mais le problème, c'est qu'on vous a pas insulté de ce que je me souviens. Oui, c'est vrai, on vous a pas insulté. Mais qu'est-ce qu'il propose? Qu'il propose pour qu'il se rachète? Mais quoi donc? Vas-y. C'est qu'il y en a un qui frappe l'autre. Jusqu'à la mort. C'est abusé, ça, monsieur. On n'a pas besoin de ça, monsieur, quand même. Monsieur, vous savez pas que je connais Mazdak, moi, monsieur. D'après la loi. Ça fera pas de mal, ça vous fera réfléchir. Attends, mais t'as dit quoi? Attends, t'as dit quoi là? Parce que j'entends pas là. C'est vraiment magique, parce que plus il parle, plus j'ai envie que ça se produise. Ouais. J'ai envie de voir le chauve et le semi-chauve se battre. Si, allez. Oh là là. Après, c'est vos votages. Les deux jaunes, là. Non, mais monsieur, c'est pas nécessaire, monsieur, quand même. Enlève la grosse bite que t'as dans la bouche. Enlève la grosse bite que t'as. Est-ce que vous pouvez répéter ça? Répète. Une fois. Juste une fois. Non, t'as gagné. Vous savez ce que je propose encore mieux, là? C'est que les deux, ils tabassent le chauve. Les deux? Monsieur. Les deux, les deux grands tabassent le petit. Les deux sur le chauve, là. Les doux sur le chauve, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Mais moi, ils m'ont pris sur mon aile, je vais pas les taper, monsieur. Moi, je suis un clochard, ils m'ont pris sous leur aile, pardon. Par contre, la dernière insulte, on va dire que c'était gratuit, d'accord? Ça passe. En revanche, le prochain qui dit une insulte, parce que je pense que c'est facilement la sixième depuis qu'on vous braque. Cavalier. On va arrêter les frais, d'accord? Indiana Jones. Oui. On va bouger, hein. D'accord, oui. Parce que attention, il y a un groupe de 8 personnes qui braquent les gens. Oh mon dieu, il a tué Renez. Ben non, je suis là. Il t'a mis une balle à côté. Quelqu'un qui nous a tiré. Oh, là oui, là oui. Ouais, là oui. Venez, on s'abrite là, venez. Oh, il s'applique là. Courez, malheureux, courez. Courez, malheureux, putain de merde. J'ai pas compris la scène. Ils ont eu Billy. Non, sérieux? Non, je crois qu'ils l'ont eu. Oh putain. Ouais, on a eu chaud, hein. Vous avez compris ce qui s'est passé, je t'avoue là, monsieur? J'ai rien compris, vraiment. Je suis détonné. On de la montagne à cheval. On descend de la montagne à cheval. C'est quoi ces clochards là? Mais attendez, monsieur, là on est. On était quand même à Saint-Denis. Ils nous ont trouvés à Tadberg. Comment ça s'appelle la ville là on est là? À Tchernosbourg. Je fais pas le bruit, d'accord? Ouais, ils nous ont retrouvés, je crois. Allez, cours, dépêche-toi, cours. Mais Billy! Monsieur Billy! Oh, Billy, putain! Oh, monsieur Billy! Putain, c'est grave. On retourne là où tout a commencé, putain. Exactement. Le hammam, elle est pute. Et du coup. Billy, c'est passé quoi, du coup, là, quand on t'a laissé, là? Ben, en fait, moi, j'y suis retourné, je voulais baiser une tête, tu vois. Oui. Ah oui. Mais j'ai vu qu'il y avait que les deux autres Mexicains, sinon, les autres, ils ont fui. Ah, les salopes. Ouais, ils ont fui. Ah, c'est bizarre ça. Ouais, ils ont fui. Pourtant, ils avaient l'air bien confiants là. Hein. Mais vous savez pourquoi ils nous ont tiré dessus, monsieur Billy? Peut-être, oui. Mais je sais pas du tout. Ah, d'accord. La bagarre, ils avaient peur de perdre la bagarre, c'est tout. Non, mais les autres, on les connaît pas. Ah non, mais je pense que. Mais vous aviez un pistolet depuis le début, monsieur Renez. Oh, je vous ai libéré. C'est moi qui vous ai libéré. Mais non, c'est vous qui avez tiré. Mais oui, c'est un T1 bon. Attends, putain, mais t'es un bon. T'étais tout seul. Mais t'as fait le tuer au surtout, ouais. Non, j'ai bien visé, ne vous inquiétez pas. Les cons. Mais t'es con, vous. Tu m'as mis une balle, Samy, en plus. Ah oui, je t'ai mis une balle. Je jure que c'est à toi que je l'ai mis. Ouais. Je suis désolé. Mais Samy, t'as réutilisé là depuis là. Ouais, je sais pas pourquoi. Bah, les gars, venez, on bouge de là. Ouais, c'est une ville de fils de pute ici. Ouais, c'est des cons. C'est une ville de fils de pute. Ville de bâtard, ouais, c'est. C'est grave, ça. Il faut une fois la bière, toujours. Ouais, salut. Oh, bonsoir. Comment ça va, les gars? Ouais, ça va, et toi? Ça va, non, ça va pas, ça va pas du tout, là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh, je viens de me faire braquer par deux gnomes, là. Ah, ouais. Eh, j'ai dû amputer un, je vous jure. Excusez-moi, jeune clochard, vous aurez pas une petite bière là? Eh, jeune clochard, attends. Bon, t'appelles qui le clochard, toi, juste comme ça? Je vous appelle toi. C'est Captain. Il veut quoi, lui? Vous le connaissez, monsieur Billy? Non, mais. Moi, tu es un lâche, ton joueur. Tu disais quoi? Là, là, ils sont gros. Oh merde! Ah merde, il avait pas de bière là. Calmez-vous. Oh pardon, non, merde! Pas moi. Oh pardon, oh merde! Voilà, mais 20$ sur le petit blanc. Ouais, je crois que je l'ai buté là, non? Eh ben, ouais, là il est parti. Ah, désolé, monsieur.
Bon, Emily, prends ton cheval et mange bien. On peut en faire quelque chose, un petit steak là, monsieur Hannes, du gibier de potence qu'on a ici là. Il se passe quoi là? C'est qui eux? Je sais pas, ils sont là. Ils sont tous là. On dirait des déménageurs. Bon, les gars, vous voulez pas on les nique là, les mecs qui ont essayé de nous choper là? Bah ouais, mais ils sont où? Ils sont où? Bah attends, bah en fait, c'est des mecs de Saint-Denis. Ah oui, oui, c'est les Français là, les Victor et compagnie. C'est bah venez, on va les baiser. En fait, vous savez pourquoi ils sont venus ici là? Non, ouais. Ils nous ont poursuivis de Saint-Denis jusqu'ici parce que tout à l'heure, Lay il les a insultés. Mais attends, mais non, en fait, on s'est quitté sur des excuses. Ah ouais? Bah, je sais pas, ils ont voulu nous faire une leçon, c'est pour ça qu'ils se sont ramenés et tout. Mais ils ont pété un câble, jamais de la vie. Mais ils sont malades de tirer comme ça là, moi j'ai réussi à m'enfuir. Hein. Ah non, mais c'est des malades. Ils ont pris une balle, ils ont commencé à courir. C'est vrai que j'ai jamais tenu de pistolet. C'est quoi ce que le cher? Ah oui, tu vois, les gars. Ah, je sais pas, je reconnais cette voix de merde là. Les Français, on va les retrouver, on va leur foutre leur tour Eiffel dans le cul. On va les enculer. Ouais, par contre, faut s'équiper là. Moi je suis équipé moi. Ah vous... non, mais quand je t'ai équipé, faut bien qu'on faut bien s'équiper quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Avec la dynamite et tout. Mais moi je pense plus, faut les prendre malin, t'as vu? Tu les chopes, tu les encules dans un coin et après tu les relâches. Ah, mais ils sont nombreux ces fils de pute. Bah justement, c'est pour ça qu'on peut rien faire contre eux, c'est qu'il faut être plus malin. Vu qu'on est moins armés et moins nombreux, il faut être plus malin, d'accord? Se rapprocher de son ennemi, bah faut mieux le connaître. Et pour mieux le connaître, faut mieux le baiser après quoi. T'as capté? Ah ouais, donc toi c'est vraiment ton objectif, c'est de ken les gens quoi. C'est de retourner la ville, t'as capté? Ouais, et de retourner leur fiac quoi. Ouais, ouais. Donc on va faire, c'est que là on va faire... Le mot couveux, c'est synonyme? Ouais. Du sale? Qu'est-ce qu'ils cherchent comme mot? Billy, on va faire les fils de pute quoi. D'accord. Ouais. On va se tirer sous terre et puis après on irait les voir en mode désolé, bon maintenant on va commencer le business avec vous parce qu'on avait que vous étiez vraiment puissant quoi. Tu vas ce que dire? Ouais, leur sucer la bite pour leur couper la bite après quoi. Et moi, comme suce des chevaux, ça me dérange pas. Mon objectif, c'est d'ouvrir une mosquée. Une mosquée à Saint-Denis? Ouais, mais apparemment, ça fait des. Quand j'ai dit ça. Oula! J'ai l'impression que c'était le. C'était. Ouh! Ils aiment pas les maghrébins, même moi, j'aime pas les maghrébins quoi. Hein? T'aimes pas les maghrébins toi? J'ai dit, j'aime le Maghreb. Ouais. Ouais, tu me fais penser à un Kabyle toi. Un Kabyle? Ah ouais, saviez-vous, moi, je bois des bières après la mosquée quoi. Ouais, t'es un malade. Ouais, j'ai rien entendu. T'es un malade. Arrête-toi s'il te plaît, Billy, attends. Seigneur, si vous m'entendez, faites qu'Abdoulaye se fait baiser tous les soirs par une jument en rute, s'il vous plaît. Amen. Les gars. Bon, Amine. Ouais. Votre collègue, là, le gros là. Eh ben, ouais. Je vais le fumer, hein. Hein? Pourquoi tu l'as fumé? Non, je vais le fumer. Ah, pourquoi? Samy? Il a volé mon cheval. Mais, ah bon? Ouais. Il parle de Samy? Mais ouais. Le gros que vous avez mis KO. Ah, celui que j'ai étranglé. Ah, voilà. Oui, non, mais là on connaît pas lui. On connaît pas lui. Non. Oh, ok, pas de problème. Ouais, faisons une bonne brochette, hein. Je vais l'arroser. Ouais. Ah, il est aussi gros. J'ai rien. Pourquoi tu nous racontes tes projets? Bute-le, je m'en bats. J'ai rien à branler, moi. Ah, putain. Tant. Tu vois, cette lumière, ça me donne envie de baiser, quoi. Aïe, c'est quand c'est tamisé un peu comme ça avec les. Ouais. Non, je vais pisser 2 secondes. Oh merde, c'est pas mon cheval, il va se barrer. Reste là. Non. Clochard, reste là. Attends, mais c'est vraiment pas ton cheval. Vous avez fait n'importe vous, monsieur. Attends, c'est vraiment pas ton cheval, tu te. Ah oui, non, c'est vraiment pas le bien, oui. Menteur. Eh oui. Pourquoi, oui, comment savez-vous que c'est bien, oui? Attendez, comment on peut vérifier ça? Ah bah oui, là c'est. Ah merde. Ah mais dis-moi, monsieur Hannes. Monsieur Hannes, comment je. Et à mon cheval là si tu veux rire. Fils de pute là. Ah oui, il est mort depuis tout à l'heure, oui. Avec ce clochard. Faudrait trop soigner, trop. Faudrait lui donner un petit. un dolipre, un antibiotique. une plante soigneuse. Oui. Bah vas-y, appelle ton cheval. J'espère qu'elle a grandi. Oh putain de merde. Ah, tu peux pas grandir clochard à toi. Ah merde, arrête, calme-toi. Vous n'avez pas notre cheval, monsieur Hannes? Bah non, tu vas bien, hein. Putain, mais il faut s'en pas grandir celui-là, moi. Bah oui, bah donne-lui à manger, toi aussi, sale creveur, va. Allez. Ouais, j'arrive pas à monter, tais-moi. Oh merde, ah oui, du coup, c'est soit l'un soit l'autre, ouais, c'est pas grave. Essaye de monter sur mon cheval, au pire, tu me prends au lasso. Hop là. Ça va, monsieur Billy? Ouais, ça va. Ah vache. Ah, c'est génial, j'avais jamais vu ça. Elle dit que c'est son cheval en plus. On dirait un caillou derrière. Ouais, mais. Attends, on a attaché un caillou. Attention, mais le lasso. Non mais mon énergie elle descend en fait. Je vais faire un KO bientôt hein. Ah oui? Aïe. Ah bah ça descend quand même mon énergie. Oh merde. Aïe. Au pire on échange dès que vous avez plus d'énergie. Ouais, dès que j'ai plus trop d'énergie. C'est mon crâne ça.
Oh la vache. Ah ouais, Thierry. Ah la vache. Ouais, c'est mieux par là. Stop, ah oui, stop, 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 j'ai plus d'énergie, stop. Stop, je vais faire un KO. Canès, 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 Canès. Canès, Canès. Attendez, attendez, il va faire un KO, Canès. Canès, attention, j'ai fait un coma. Oh, oh, merde. Oh non. Oh. Mais t'es un baiser, j'ai failli mourir. Attends, attends, allez-y, montez, je vais bon, m'attraper. J'étais à, faire, j'étais à deux doigts de faire un coma. Bah, je peux pas monter, moi, je dis B. Ah merde. Ah oui, vous pouvez conduire. Ok, c'est trop petit. Aïe, monsieur Canis, je vais faire un coma, monsieur Canis. Eh là, attendez, vous inquiétez pas, c'est dans la tête, bordel. Comment ça, c'est dans la tête? Comment ça, c'est dans la tête, monsieur Canis? Monsieur Canis. Oh non, Billy. Oh non, Billy. Il est fait un coma. Monsieur Canis, je crois qu'il est mort. J'ai mal au ventre. Ouais, j'avais une mouche dans la gorge, désolé. Y'a pas de soucis, ça! Ah putain! Et où il est, où c'est con là? Ah, il doit être dans un buisson là! Oh le pauvre! Oh non, on s'est reparti pour 3 minutes là! Et ah, il est là, c'est bon, bah c'est bon! Ah oui, il est là! Je vais le récupérer, attendez, monsieur René! Non, ça c'est bon, on m'a retrouvé! Oh non, le pauvre! Je compatis, monsieur Billy! Ouais, bah t'as pas besoin de compatir, j'ai rien à foutre! Putain, tout ça! Et le pire, c'est que c'est mon cheval! Aïe! Oh, c'est vrai, tout ça à cause de moi, ça devrait être. Hein. Allez, charge-le, gars! Ah oui, oh merde, ah oui, je le charge et je vous suis à pied. Oh merde, attends, on va la ramener, on va la ramener chez le docteur, t'inquiète. Oh, il y a un médecin dans la ville, la Valentine. Ouais, ouais, ouais. T'es bon, hein. J'ai mis de l'autre côté. Ah, ouais. Oh non, ça c'est l'enfer, j'ai vu ta tête, mon frère. Oh, attends. Oh, monsieur Billy. Oh. Ah, monsieur Billy, laissez monsieur Billy, hein, laissez-moi mourir. Attends. Allez, dépêche-toi. Attention, monsieur Billy, je vais vous déposer. Non, le docteur est là, viens, le docteur est là. Je le garde. Ah oui, posez-le par terre, monsieur, s'il vous plaît. Ah oui, merci, madame, allez-y. Oui. Hop là, je vous le jette. Hop. Et balance la carcasse de chien, là. Hop, clochard de Billy, oui. Quoi? Et Billy, il a une information. Ouais. Il y a pas de castor, ce qui paraît ouais, après 20h. À partir 20h, de 20h, heure terrestre. Voilà. Ah, fais gaffe sur le pont. Vas-y. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur le pont, là? Parce que les chevaux, ils sautent. Et alors, ouais. Et alors, tu peux aller quand même là-bas. Faut qu'on prenne pas les couilles de sauter. Hein? Alors? Oh mon dieu, ça va, c'est pas très haut là. Hey, fils de pute, va aller bien là, saute, saute. Allez, saute. Allez, saute. Foiré, va. Waouh. Ah oui, je crois que là, ça fait un gros bouble. Hein. Je crois que son crâne, il a fissuré en deux. Hein. Ah, mais c'est avant, ouais. Ah, mais par contre, le cheval, il va se convertir, croyez, à la puissance, subhanallah. On n'est même pas mort. Arrête la bière. Eh les gars, venez. Eh l'autre il a plongé comme vous, ce con, il est en bas. Oh mon dieu. Qui ça, le Ah mais il est mort. Ah bah lui, ouais, c'est sûr. Ah bah lui là, il est mort, mais il est con lui. Regarde, hop, 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 là. Ah c'est que... Ah non. Bah ça va en vrai. Ah les bâtards. Hop, bah moi ça va en vrai. Oh putain, j'ai mal. Oh non, 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 ah non, mais non. Ouais, mais attends, mais c'est pas moi là, c'est le cheval. Ah, une fois pas deux, comme on dit. Ouais, c'est le cheval. Oh, pas bien, oula, le cheval. Oula, 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 oula. C'est le cheval là. Ah là, c'est clairement le cheval là. Le cheval, il est dépressif, hein, il veut se suicider. Putain. Ouais, oh mon dieu, oh non, oh non, 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 monsieur Ralez. Monsieur Ralez. Ouais, monsieur Ralez, massez le cheval, attendez, je vais le masser là, attendez. Oh non, ouais. Je vous assure qu'il pète un câble. Voilà. Monsieur Ranès, je vous assure, là, il se passe. Attention, monsieur Ranès, attention. Vous inquiétez pas. Ah non, parce que là, on va en risque de ça. Fais gaffe. Ah, ça fait du bien. Ah, c'est un peu. Oulala. Eh, Doulou, j'ai les jumpers, Doulou. Vous appelez comment, Furious Jumper? Je sais pas, je l'appelle fils de pute. Il est asthmatique en plus, dès que je fais un truc. Ça est de fumer, ce. Ce clochard, si vous permettez, monsieur. Oh mon dieu, oh putain de merde. Oh, il se barre. Ouais, mais toi, je vais le buter.